Bon, c'est sympa de faire des vidéos avec des caméras à 4000 balles, mais est-ce qu'on est capable de faire une vidéo avec une caméra à moins de 100 euros? C'est pour ça qu'on s'est lancé le défi avec mon pote Damien de la chaîne Lumétrie, de voir si on pouvait faire une vidéo sympa avec une daube entre les mains. Pour ça, on a été sur Amazon pour trouver la pire caméra possible, et honnêtement, on est tombé sur une pépite. Alors, les règles du jeu sont simples. On a un terrain de jeu de 500 mètres carrés. Ouais, bon, cette mesure est complètement au pif, hein. Mais bref, on a toute cette zone pour filmer tout ce qu'on veut et on a 15 minutes de tournage chacun. Par contre, on n'a pas le droit aux accessoires type stabilisateur, etc. Et surtout, on n'a pas le droit d'utiliser l'autre comme sujet. On passe évidemment chacun son tour et le tirage au sort pour savoir qui commence se fera avec un initié assermenté. Et ensuite, on se retrouve pour le montage où là, on aura 30 minutes pour faire, ou plutôt essayer de faire une vidéo qui passe avec la musique de notre choix. Et forcément, à la fin, chacun se montre sa vidéo finale qui va être... Bon, vous allez voir. Allez, on est parti. Hey! Ça va ou quoi? Non, ouais, ça avance un peu pour être proche de la caméra. Non, ouais, salut, salut, salut tout le monde. On a le même t-shirt, hein, vous avez vu, on n'a pas fait exprès, on a l'air de deux. J'ai enlevé la casquette pour pas qu'on se ressemble. Bon, qu'est-ce qu'on... Bon. Défi aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait filmer, mais toi t'as pas encore j'ai vu, pas la, vu caméra, la caméra. Hein. J'ai pas vu la caméra, je veux bien la voir. Si t'es prêt? Ouais, vas-y. Allez, on voit. Pochette, hein, déjà. Oh la gueule, ok. Putain, c'est minuscule. Pas mal la prise en main. Ok. Hein. Ah, t'as une poignée comme ça de beauf à l'ancienne de daron, c'est affreux. Ouais, ça c'est vraiment pas on l'a vu. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est affreux. Bah écoute, belle merde. Hein. Pas mal, hein. C'est affreux. On peut voir que la dégaine va être de type à l'ancienne, hein. On va pas se... bien dégueulasse. L'horreur. On va faire un petit tirage au sort. Et ouais. On va voir qui commence. Shifumi. Ouais. Bon bah on est good, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À qui l'honneur? C'est à toi l'honneur, je crois que c'est toi qui avais perdu. C'est une douillette. Concentration. Vas-y. T'es prêt? 1, 2, 3, go. Ça part toi, t'as de truc. 15 minutes, c'est parti. J'ai aimé faire un plan avec la roue là, mais c'est tout le truc. J'attends qu'un mec fasse la tyrolienne. Je te sens pas super inspiré, non? J'ai zéro idée de plan. Tu sais, je marche pour histoire de dire, vas-y, je vais peut-être trouver un plan là-bas. Alors que zéro. J'ai tenté le zoom. On dirait trop un pervers avec sa caméra, il se cache dans les buissons, le mec. Moche. Ouais, à chaque fois, avec un plan, tu dis avec ta caméra, ce serait pas mal. Avec cette daube, ça rend rien. Je filme le traîneau, je vais mettre un beau traîneau. Oh, ça se fait. Le mec, c'est minable, quoi. Je vois dans le regard des gens qui voient ma caméra et disent mais il est con, il fait quoi les... Tu vois que sa mère il a 47 ans ou quoi? Plus qu'une minute, plus qu'une minute. 3, 2, 1, fin du chrono. Je vais mettre. À mon avis, ça a été un truc genre de... Elle était 10-15... Oh, ça va être dégueulasse, c'est plans, sûr quoi. Ça va être dégueulasse. C'est sûr, à 4000, c'est dégueulasse. Ok, maintenant, c'est au tour de Damien de prendre la daube et d'essayer de faire quelque chose avec. D'ailleurs, je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir sur sa chaîne son behind the scenes si vous voulez le voir bien galérer. Donc bon, une fois qu'on a tous les deux nos plans, c'est l'heure du montage. Pour rappel, on a 30 minutes pour faire notre vidéo en entier, donc le dérush, le choix de la musique, le montage, l'étalonnage...
Non, en vrai, tu doutes bien qu'avec ce type de plan, l'étalonnage, c'est pas vraiment possible avec ce truc-là. Bref, 30 minutes pour faire un montage, c'est vraiment court. Faut aller à l'essentiel et pas perdre de temps pour essayer de faire une vidéo potable. Donc, on a tout donné avec le temps imparti et il est maintenant temps de se montrer le résultat. Et autant te dire qu'on n'est pas confiant. Oh, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'on a besoin de caper? Non. Bon, ça a été ou quoi? Ce qu'on peut dire que ça a été. Difficile, hein, franchement. On peut pas dire que ça a été. On a fait quelque chose. Ouais. J'ai un peu hâte de voir ce que t'as pu produire. Et j'ai hâte de voir ta gueule sur ma vidéo. Qui se la montre en premier? La vidéo? Shifumi. Ok, Shifumi première manche, sachant que j'ai perdu la première manche. Ouais. Donc c'est à moi de. J'ai perdu sur une feuille, t'avais fait pierre. Est-ce que tu vas refaire pareil? Peut-être. Oh, l'influence, le mec. Julien, franchement, il essaie de se dire, ouais, ok et tout. Donc, ça veut dire que tu vas faire ça. Ok. Je pense que je vais te battre encore. Ah ouais? On y va? Shifumi. J'ai hésité. Dans la tête. Dans la tête. C'est faire, hein, au moins. Du coup, je pense que c'est toi qui vas me la montrer d'abord. Je vais regarder ta vidéo. Ok. Vas-y, ferme les yeux si tu veux, 30 secondes, le temps que je la mette en full screen et tout. Oh ouais, j'entends de la musique. Ok. T'es prêt? Ouais. Alors, je suis le réalisateur, c'est moi qui ai tout filmé, qui me fait le montage et tout. J'ai quand même quelques années d'expérience dans le montage vidéo, donc voilà, ça va envoyer du lourd. T'es prêt? Bah non, il était posé aussi, il faisait hyper stable. J'ai pas ta tête, les bandes noires. J'ai oublié les bandes noires. J'ai continué les bandes noires, merde. Les bandes noires, et le plan il est comme ça. Oh l'horreur. C'est parfait. Oh, j'adore. Oh putain. En vrai, les plans, ils sont déjà, t'as plus une cohérence. T'as une cohérence entre tes plans. Ça suit. Ouais, moi, c'est random. Hein. Toi, en vrai, ça va. Bon, on enchaîne. Bon. Bien joué. On enchaîne. T'es prêt? Ça me parle. Ah, il a mis du. L'erreur des plans. Et c'est à moitié stylé quand même. Ah, c'est horrible. Oui, ça s'ouvre. Alors, bien joué, franchement, bien joué. Ça s'arrête comme ça. Bien joué. Et le petit effet, et t'as géré en fait de mettre ça, les plays. En fait, tu vois, c'est ça, le mood que je te disais, c'est que j'ai mis un mood VHS. Ah ouais. Tu vois, j'ai vu les plans, je me suis dit, c'est dégueulasse. Ah ouais. On va faire genre, c'est une ancienne vidéo. Et du coup, en fait, je voulais faire une vidéo un peu de potes, mais bon, j'avais pas beaucoup d'humains, donc... Bon, bah, bien joué, mec, hein, franchement. Défi alors? Bien joué, trop bien, en vrai trop bien à faire. Ouais. Vraiment c'était un kiff, on a rigolé, ouais. Faire le montage tu rigoles, le tournage est encore plus drôle parce que tu te dis, t'as trop d'idées dans la tête, ouais. Tu les fais, ça rend trop mal, c'est affreux. Ouais. Et d'ailleurs moi je vous mets au défi pour la chaîne Depuis les Faces et puis la mienne, Lumetri, faites-le, choisissez un pote là avec qui vous entendez bien et faites-le, faites-vous un défi de 15 minutes à filmer. Ouais. Franchement c'est génial, c'est à faire parce que vous avez une pression de timing, c'est une vieille caméra en plus, c'est une horreur pour filmer. Mais c'est trop drôle, tu rigoles parce que surtout tu vois l'autre galérer. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que lui il a la pression parce qu'il y a un timing où ça va très vite et tu le vois un peu faire ses plans, tu te dis mais ça va être affreux, tu le sais que ça va être affreux et après c'est ton tour et c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Fin de la vidéo, moi j'ai kiffé faire ça avec toi mec, c'était vraiment rigolo. Moi j'ai pas aimé. C'était chiant. Non, bah je rigole en fait. C'était à chier. Et surtout allez voir le behind the scene parce que finalement là vous allez voir la vidéo soit sur ma chaîne, soit sur la tienne. Ouais. Du coup, il faudra aller voir le behind the scene de sa vidéo à lui ou de la mienne en fonction de là où vous la regardez. Exact. Pensez à vous abonner à nos deux chaînes, ça nous fait plaisir. Ouais. Le like et le commentaire, c'est ce qui nous aide le plus. Exactement. Et puis, on se dit à la prochaine pour un prochain défi. T'as oublié de faire ma com, par contre. Si. J'ai dit abonnez-vous aux deux chaînes. Ah ouais. Ah. Mais moi, j'ai fait une pub pour toi. Vous avez vu, c'est pas normal. Ça. Ok. Bon, je me fais bâcher sur là où trop. Pas de soucis. On coupera. On sait pas si on va le garder. Abonnez-vous surtout à la chaîne de Lumetri parce qu'il y a plein de petits tutos, de petits tips et que c'est une très bonne chaîne que j'apprécie. Wouh. Est-ce que j'ai été payé pour faire cet outro et cette pub? Oui, il m'a donné 5 balles juste avant. C'est cadeau. Bon allez, bisous. Ciao. Oui. Les bouffes.
Bon, bon bah, c'est c'était cool. Très sympa. Très sympa cette petite vidéo. Je coupe ? Tu peux couper.